Ça a été d'abord et avant tout de combler un vide juridique abyssal. Il n'y avait pas même une définition des disparitions forcées, alors qu'elles gangrenaient la planète. Donc, pas possible d'assurer la prévention et la répression de ce crime extrêmement grave. Alors, notre premier souci a été de définir la disparition forcée. Alors, qu'est-ce que la disparition forcée c'est une stratégie en réalité pour faire disparaître des personnes. C'est une stratégie d'élimination de groupes d'opposants. Le, le cas le plus terrible, c'est ce qu'on appelle les vols de la mort. La personne est arrêtée, on la laisse autour d'un rail, on la monte dans un hélicoptère, un avion et on les largue en pleine mer. Et ça, c'est terrible. Parce que pour retrouver les corps, on arrive trop tard. Car la lutte contre les disparitions, c'est d'abord et avant tout une lutte contre le temps qui passe. Une révolution dans la lutte contre les disparitions, ça a été l'apparition et le développement maintenant de la police scientifique, de l'anthropologie légale avec les ADN. Je citerai un exemple récent d'un collègue chilien. Il a été saisi du dossier des vols de la mort. Il a désigné des plongeurs de fond qui ont finalement par découvert, sur un site qu'il avait identifié par des témoignages, un rail. Il n'y avait plus de squelette, mais il y avait encore un lien et des lambeaux de tissu. Eh bien, grâce à cela, et grâce à l'ADN, ils ont identifié qu'elle avait été la personne disparue. Lorsque l'auteur du crime est mort, en droit, on ne peut plus poursuivre, il y a une caducité des poursuivre. Et cela, euh, c'est évidemment dramatique pour les familles. Elles euh, agissent beaucoup pour que les enquêtes continuent, pour qu'elles puissent se recueillir sur une tombe. Par exemple, à Dili, au Timor, il y a un cimetière artificiel où chaque famille a mis une pierre pour représenter une tombe où elle vient se recueillir. Les États violateurs ont presque toujours un souci, et un seul souci, tourner la page. Nous n'avons pas pu, dans un premier temps, déclarer dans la Convention le crime de disparition imprescriptible. Et après d'intenses négociations, un peu complexes, nous avons réussi à convaincre. Que dès lors que c'était systématique et généralisé, ça devenait un crime contre l'humanité. C'était important car un crime contre l'humanité, lui, est imprescriptible. Un une fois ce comblé ce vide juridique, il y a eu toute une série d'avancées. Euh, on a pu obtenir et astreindre les États à incorporer dans leur droit pénal le crime pour qu'ils le répriment eux-mêmes. Et puis, nous avons réussi à le faire prendre en considération par le droit international qu'il ignorait. Nous avons eu une aide considérable, je tiens à le remercier ici, de la Croix-Rouge, Inter... Comité international de la Croix-Rouge, qui nous a beaucoup aidés pour convaincre de ne pas tenir compte des États d'exception comme justification de crimes de disparition. Les États réfractaires euh, invoquaient le sacro-saint principe l'obéissance due. Nous avions des chefs, ils nous ont ordonné des disparitions, donc nous ne sommes pas responsables. Et ça, c'était une avancée considérable, car on touchait beaucoup le pouvoir militaire. Et puis, c'est un peu juridiquement compliqué, mais beaucoup de disparitions ne sont pas commises par les États eux-mêmes, mais par des commandos qui sont plus ou moins téléguidés. Ou avec la confier des États. Et dans la convention, il est désormais prévu que les États ne peuvent pas se dispenser de poursuivre ces personnes, même si elles ne sont pas directement dépendantes de leur autorité. Et puis, nous avons finalement créé un comité d'experts indépendants sur les disparitions forcées. Il a pour mandat de veiller au respect des dispositions, des stipulations de la Convention et surtout de leur bonne interprétation. Et grâce à ce comité, nous avons beaucoup progressé. Mais ce qui manque le plus pour rendre la Convention de plus en plus efficace, c'est d'augmenter le nombre de ratifications. Et je souhaite vraiment que ce dixième anniversaire soit l'occasion d'une campagne internationale. Pour convaincre les États de ratifier, de ratifier, de ratifier. Il n'y en a que 55, c'est déjà beaucoup, mais il faudrait arriver à une centaine. Mon meilleur souvenir, évidemment, c'est à la fin, la consécration de la Convention. Il y a eu une tension terrible. Le temps passe, les minutes passent, personne n'ose demander la parole, et finalement, d'un coup de maillet vigoureux, le président que Jean consacre l'adoption de la convention et là une déléguée qui commence à avoir des larmes d'émotion elle avait joué un rôle très important dans la négociation et c'est la première fois que en 37 ans de nuit je voyais un état pleurer la représentante des grands mères de la place de mai a pris la parole c'était un moment historique et je dois dire que le soir même j'ai moi-même composé un petit poème, j'aimerais le partager avec vous pour un moment d'émotion en leur mémoire. Étais-je de Cordoba, de Dili, de Jakarta, d'Erevan ou Bogota, je m'appelais, je m'appelle Norma. J'étais, je ne suis plus, je ne sais pas, je ne sais plus. Disparu, enlevé, victime d'un crime presque parfait de l'aise humanité. Je ne suis plus qu'une image, une ombre imprescriptible, las du temps qui passe, disparue dans les cieux d'un vol de la mort, demeurée mystérieux, compagne de la diaspora, de ces visages oubliés, invisible parmi vous, mais présente à vos côtés.